Salut, c'est Marcus. Cette année, j'ai la chance d'être le premier pilote du Desert Bus de l'Espoir. Pour la première fois, je suis premier dans quelque chose. C'est juste incroyable. Donc voilà, c'est la fête. C'est top. On m'a fait l'honneur, le privilège d'ouvrir le bal, de couper le ruban et d'être le premier à poser les mains sur le volant. C'est moi qui ai démarré le Desert Bus de l'Espoir cette année, c'est quand même un truc de fou. C'était la seule possibilité pour que quelqu'un cale ou crache le bus dès la première minute, c'était de m'inviter moi. Donc bien tenté les gars, mais ça n'a pas marché, j'ai réussi à rester sur la route. Le Desert Bus tout seul, c'est un jeu sur Mega Drive absolument pourri, où il ne se passe rien, il y a une grande ligne droite. Continue, on traverse le désert d'une vie à l'autre, il n'y a aucun virage, il n'y a pas d'obstacle, il y a un moustique qui de temps en temps vient sur le pare-brise, c'est complètement débile, c'est un gag, c'est assez drôle, ça a été inventé par des comiques américains et j'aime bien l'idée. On me dit que des gens l'ont fait en VR, alors comme moi j'adore la VR, je veux bien y passer une heure, mais alors pas plus. Voilà, donc ma note 1 sur 20, juste pour l'idée, parce qu'elle est quand même brillante l'idée, mais alors le gameplay, les graphismes et tout ça, alors là on est à la ramasse totale, mais il est sympathique ce petit jeu.